120 camions, 200 chauffeurs. Une des plus importantes compagnies du Moyen-Orient spécialisée dans le transport lourd. Nous sommes à Djeddah, le grand port sur la mer Rouge. C'est le matin des gestes coutumiers des garages du monde entier. Ces camions rayonnent jusqu'en Jordanie, au Yémen, en Irak, au Liban. Mais cette compagnie n'est pas comme les autres. Elle est dirigée par un homme jeune, Saïd Al-Atlani, qui a des idées très particulières sur les rapports patron-employés. Et par son attitude, nous pénétrons dans l'univers d'une mentalité qui ne nous est pas familière. What do you expect from a driver? We need good people who are ready to learn and to try to have the driver believe in himself and believe in creating something of himself. And that is as a productive driver. Is going through his work. We give him the chance of owning this truck. And that is by promising him from the beginning that if his income from this truck, which is operated by himself solely, comes to a limit, which is the cost of the truck plus whatever expense it has, the truck will be his own. And he can take it free of charge and do whatever he wants with it. Certain drivers can make it in as small as 8 months. Certain drivers takes us about maximum 2 years. It depends on the productivity of the driver. He is most welcome to continue on working in our fleet if he wants. He is most welcome to go and operate privately. And of course, we will bless any decision he makes. But yourself, as the owner of the company, you lose a lot of benefit. No, we look at it as we're gaining a lot of benefit. Because this driver, even though he decides after owning that truck to go and work outside, we consider him as a friend, as a helper, and whenever we need him, we find him. This is something that is highly needed. So it's this type of family relationship we have. Even though he's outside the company, he is really inside the company. Aïd a 33 ans. Il est un des chauffeurs qui a profité de ses avantages. Sans jamais avoir eu de capital, il possède des camions qu'il loue maintenant à la compagnie. Au port, il vient charger du ciment, 30 tonnes. Il va le transporter jusqu'à Riyad, la capitale, située très loin à l'intérieur des terres, en plein désert. 2 jours de voyage en solitaire. Mais qu'est-ce qui a conduit ce chef d'entreprise à cette forme de promotion sociale inhabituelle en Occident? This is a quite a moral behavior that we don't know so much in the West. Does it obey to some kind of inner moral of yourself? You see, repeat and say, we are a Muslim country and a religious country, and everybody here
is really built up, is really grown up, is really cherishing the thoughts of Islam, which some of it push us to be more productive, to be honest before anything else, to be hard workers, to be productive, and accordingly, this is what we expect from everybody who's working with us. And in return, he will feel the good results, because this is part of our way of life. Aïd habite Jeddah, 1 million d'habitants. À Jeddah s'affirme la volonté de synthèse de l'Arabie. Vieille maison au balcon fermé de moucharabiers, ajouré de dentelles de bois, afin que les femmes puissent voir sans être vues. On préserve la tradition et on modernise. Les logements sociaux neufs transforment Jeddah. L'effort de l'État arc-boute l'initiative privée. Terrain gratuit pour qui veut construire. Le gouvernement l'offre. Quant au prêt bancaire, il peut aller jusqu'à 50 millions de centimes pour une maison particulière. Remboursable à 25 ans. Sans intérêt. Un cadeau, en quelque sorte. Étrangement, à nos yeux, le rêve d'Aïd est tout autre. Habiter dans un de ces immeubles collectifs. Le souk, avec ses maisons d'un style unique au monde, est coloré, remuant, depuis des millénaires. En effet, Jeddah est le vestibule de la Mecque. Des millions de pèlerins y passent chaque année. Tous les commerces sont concentrés par quartier, que séparent des ruelles d'allées. هذول على كم يا؟ على ها؟ كم؟ 25 25؟ عالي يا شيخ 25 هذا. في غيره؟ ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عملت للتو؟ كويته ولا ما كويته؟ بكره ان شاء الله. يا شيخ انا مستعد كيف؟ ما يهمكش. ها؟ ما يهمكش. طيب متى تخلص لي؟ طيب الليله. الليله؟ ايوه. يعني الساعه كم؟ في وقت المغرب. بعد المغرب اجيك لك خالص. ايوه. شوف ما تكون زي اول وعدنا وبعدين. ما يهمكش. ها؟ ان شاء الله الليله. ان شاء الله؟ Les Séoudiens n'ont pas perdu un certain mode de vie de nomades. En majorité, ne viennent-ils pas du désert, brusquement projetés dans le monde moderne? La pièce commune en est le témoignage. Elle est comme une tente, sans meubles, sans décoration, sans objets. Le café, servi exclusivement par le maître de maison, rythme toute conversation, même si ce n'est que pour parler de l'éducation des enfants. Mais quel est ce pays où habite Aïd, où il est né, où il travaille? Cette Arabie saoudite, inconnue il y a 20 ans encore.
ce pays qui n'a paru vraiment à nos yeux que depuis le boom pétrolier. D'habitants, 2 300 000 km², extrêmement sec, quotidiennement torride. À travers toute l'Arabie, 40 degrés à l'ombre, ce n'est pas rare. C'est pourtant dans ce milieu hostile, voracement inhumain, qu'est née une des plus hautes spiritualités du monde, l'islam. Le drapeau national porte encore au vent la parole maîtresse du prophète né à la Mecque, affirmant que Dieu est unique. Et le Coran est à la fois la constitution du royaume et sa loi. Désert. La fertilité, il faut la gagner par lambeaux de terre, avec effort, avec beaucoup d'argent. El Hassa est l'oasis par excellence. 250 000 habitants, dont 100 000 fermiers, nourrissent 1 million de personnes. Après la mise en place du plan gouvernemental, la productivité a été multipliée par 30. On prévoit 1 million d'habitants qui en nourriront 4. Le pétrole est la caverne d'Ali Baba, sur la côte est, le Golfe. 47 champs pétrolifères, dont 14 en mer, le plus grand d'un seul tenant existant au monde, 241 km de long sur 40 de large. 498 millions de tonnes de pétrole par an, 26% des réserves mondiales. En passant, un simple détail qui nous fait rêver. L'essence vaut 30 centimes le litre. Des rois. Ibn Saoud, le fondateur de la dynastie. Leader charismatique, intelligent et guerrier. Faisal. Khaled. Le prince héritier Fahad, déterminé, patient, tous très croyants, un peuple tout entier, gardien de l'orthodoxie islamique. L'Arabie moderne est un mélange de rigueur religieuse et de pactole pétrolier. 100 milliards de dollars de revenus annuels. C'est en 1964 que commence l'expansion. Il faut tout créer, et l'on crée tout. Industrie, télécommunications, aérodromes, ports. Les villes mêmes sont pratiquement à bâtir. Elles s'étendent en quartiers neufs afin que les Bédouins abandonnent leur transhumance et s'intègrent au développement économique. Il a fallu d'abord développer l'infrastructure. Il y a 30 ans, le réseau routier était éphémère, suivant le caprice des vents de sable. 11 000 km de routes ont été créées ou améliorées. 9 000 sont en construction. Effort frénétique. Mais le parc automobile n'est-il pas passé en 8 ans de 40 000 à 800 000 unités? Mais le camion n'est-ce pas le moyen privilégié de surmultiplier l'expansion? Sur la route de Riyad où il va livrer son chargement, Aïd fait un détour par la Mecque. C'est banal pour un Séoudien. Ils ont tous une vie baignée de religiosité. On va à la Mecque les jours de congé, surtout si l'on habite Jeddah, située à 70 km de la ville sainte et reliée par une autoroute à 8 voies. En fait, la Mecque est plus qu'une ville. C'est tout un district. Seuls les musulmans y ont accès.
L'interdit renforce le sacré. Il fait de tout fidèle un être à part, un élu, un choisi, un désigné. La Mecque résonne sans cesse de l'écho tumultueux des grands pèlerinages. Huit jours, chaque année, c'est le Hajj, ce que tout musulman doit effectuer une fois dans sa vie. 2 millions de pèlerins accomplissent les différents rites dictés par le prophète. Et chaque jour, 700 millions de musulmans du monde entier se tournent et prient vers la Kaaba, drapée de noir. Quel prestige, quelle force pour l'Arabie saoudite. Les environs de la Mecque offrent encore des visions pastorales qui semblent sorties d'un livre d'images. Les temps bibliques ne sont pas loin. Arabie, morceau d'Afrique. La montagne de Taïf le prouve. Elle sépare l'étroite plaine côtière où est située Jeddah du reste de la péninsule. De part et d'autre de ce fossé qu'est la mer Rouge, ce sont les mêmes roches d'Arcaen, le même climat saharien. Au sud-ouest, le massif s'élèvera jusqu'à 3900 mètres d'altitude. Ici, ce n'est encore qu'une muraille abrupte qu'il faut franchir pour atteindre le vaste désert plat qui ira mourir en dunes de sable jusqu'au golfe, jusqu'aux réserves pétrolières. Le cœur de l'Arabie est derrière cette barrière.
اعرض مشاهد اسمك. سابقا بالقصيم. بالقصيم. الله الله، مولود بالقصيم. ومن يوم ولدت حياتك كلها بالقصيم قضيتها؟ الله الله، كنت بالقصيم بدوي اشد يعني بدو، نشد وننزل ونرعى البل والغنم يعني بدو. شفت؟ عند ما طلعهم اخوان اللي يدوم مني وكفوني بالشغله هذه، جيت تعلقت بالسيارات هذه وكنت اشتغل. عند ما حصلت شوية من المال جيت عند الهطلاني واشتريت سيارة بالتقسيط وسددتها بخلال سنة، واشتريت الثانية بالنقد من فضل الله الحمد، والحين أملك الله الحمد ثلاث سيارات الحمد. واحدة معي أنا اللي اشتغل بها، وثنتين مع سواقي اشتغلون فيها، والحمد لله بخير. وهالحين أفكر أنا إني أطلع راس مال شوية، أعمل أما نقل شركة أو شيء وكذا. يعني أنت الآن تفكر في إنك تفتح شركة؟ نقل، أسوي نقل، يعني أعمل شركة نقل داخل المملكة وخارج المملكة كذا. نقل عام؟ نقل عام، أيوه، مع أخذ مقاولات نقل كذا وأعمل. يعني هذا اللي أنا إن شاء الله أفكر فيه، وإن شاء الله أرجو من الله أن يتحقق. طيب، على العموم نقول موفق إن شاء الله. وياك وكل مسلم. أهلين، كيف الحال؟ أهلين أبو محمد، كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب، كيف الحال؟ يلا حياك. Entre chauffeurs, on s'invite à prendre le thé et à fumer une pipe à eau. شلونكم؟ فينكم يا أخي أنتم؟ ما عاد نشوفكم. ها؟ متى جاي من جدة؟ والله جاي اليوم من جدة. توه؟ توي. تقام. فين هذا موتر؟ أي نعم. كيف حالك؟ الله يسلمك، منين جايين أنتم؟ ما شاء الله، كيف حالك؟ شو الجماعة كلهم؟ والله محمل ضاعة. La conversation, celle de tous les routiers du monde, le parcours, les accidents, la police. الله يسلمك. تدرسون أنتم؟ لا والله احنا عندنا السيارات. سيارة طايف والله جاء مطار اليوم واجد. ما شاء الله. جهزت؟ سيول مرة. ما شاء الله. طيب لزمان ما شفتكم اليوم؟ لزمان ما شفتكم. والله احنا تعرف الدنيا ذي كل واحد. Soudain, l'exceptionnel arrive. Le lendemain matin, Aïd fait ses courses avant de prendre la route. Pendant les deux jours de trajet, il mangera et dormira à la Belle Étoile. حط لي 2 كيلو ها؟ يلا حطها على هذه وكسرها. كسرها ما هو بعضها ها؟
إذا لي كيلو موز كم الكيلو؟ 3 ريال. كم العيش هذا بالله؟ كم العيش هذا؟ 5 قروش. حط لي بريال الله يسر عليك. Jusqu'à Riyad, il reste 450 km. Il y arrivera en fin d'après-midi. Riyad, la capitale, 1 million d'habitants, bourgade du désert écrasée de soleil et de sommeil jusqu'il y a 40 ans. Le gigantesque effort actuel qui en fait la ville la plus moderne, la plus opulente, la plus luxueuse du Moyen-Orient ne semble pas devoir s'arrêter. Partout, on construit.
le voyage est terminé. Sur un chantier qui travaille jour et nuit, Haïd livre ses 30 tonnes de ciment. Demain, il retournera à Jeddah prendre une nouvelle cargaison et tout recommencera. La côte est, le golfe. Ici, tout change. Tout bascule dans une autre dimension qui participe, pourrait-on dire, de la sculpture. Chaque objet existe dans un univers plat dont il est le seul relief. Chaque camion y gagne une identité intense. Rigueur des routes impeccablement tracées, venues des lointains sans limite, chaque véhicule porte sa fureur distincte. Ici, tout existe à cause du pétrole, par le pétrole, pour le pétrole. Avant l'or noir, les nomades eux-mêmes se hâtaient pour traverser cette terre. Il n'y avait personne, il n'y avait rien. Des flottes de camions-citernes ajoutent leur tonnage au flot des pipelines. Que celui des grandes autoroutes américaines, et ce n'est pas peu dire. Pourtant, la donnée séoudienne demeure, cette permanence du sentiment religieux, la prière tournée vers la Mecque, 5 fois par jour, où que l'on soit. Police formée aux techniques modernes, équipée du meilleur matériel. Sa tâche principale, le contrôle de sécurité, freins, pneus, équilibrage des charges, poids maximum par essieu. يقدر الواحد يشوف اللوحة لا. لأنه الحين ما حد يشوفها لا تصرف نحطه لقينا السيادة لأن نغير السيادة دائم il faut ouvrir l'œil. L'ardeur des pays jeunes peut conduire les chauffeurs aux excès. Vitesse maximum 120 km à l'heure, mais les immenses lignes droites entraînent à l'euphorie de l'accélérateur. وين متجه الرياض طيب خذ بالك من الملاحظات اللي قلت لك عليها وسفرة سعيدة إن شاء الله أتمنى لك التوفيق ها يلا
Tempête. Tout est embué, ciel et terre, de l'ocre de la poussière de sable qui cingle le visage, crible la peau, aveugle à demi. Mais le pétrole ne peut attendre, car le monde ne peut attendre. Rencontre de la prière et de la fureur, de la méditation et du fracas. Camion au long cours, en convoi à 3 ou 4. La chaleur de l'amitié repose de la fatigue. Et c'est peut-être en observant la vie des routiers que l'on appréhende le mieux la volonté d'être de ce peuple à l'étrange démarche dans le monde actuel. En effet, n'essaie-t-il pas de réaliser une union des contraires, moderniser à outrance, tout en vivant chaque jour la plus profonde religiosité? Synthèse hasardeuse, à la fois un défi et un pari.